Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le concept de cette vidéo, c'est que je vais vous faire offrir un passage pour les débutants quand vous arrivez sur Blocksfree. Alors, le premier truc que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement aller prendre un petit bateau. Bon, moi, je peux prendre celui-là, vu que j'ai le Game Pass, tout simplement. Vous allez prendre un petit bateau comme ça. Voilà, et on se retrouve sur l'île des singes. Alors pour débloquer l'entrée, c'est faut pas de niveau, faut vraiment pas être un gros niveau, genre pas être un haut niveau comme moi. N'importe quel niveau vous pouvez l'ouvrir, mais il faut être assez fort pour battre le boss qui vous attendra. Alors, il faut danser pour débloquer cette petite trappe que je vais vous montrer quand vous l'aurez débloqué. Tout simplement, vous allez le... Bonjour. So, I jet, I'm OK. Je me tape en autorisation parce que je ne sais pas ce qu'on me dit. Alors, vous allez prendre ce petit bouton-là. Ensuite, là, vous avez un petit bouton qui est caché, vous allez le prendre. Ensuite, vous allez vous diriger vers ici. Et là, vers là, à côté de ça. Et à côté de ce petit endroit, vous avez un petit bouton caché derrière le buisson. Vous prenez. Et ensuite, les deux autres... bouton se trouve ici. Alors tout simplement, on a le quatrième ici. Paf, vous le prenez. Et on a le cinquième qui est juste là. Dès que vous avez les cinq petits boutons, vous vérifiez bien que vous les avez toutes. Si il vous en manque, ben, vous les reprenez. Vous prenez ce qui vous manque. Et ensuite... vous allez venir au centre de l'île centre de l'île des singes. Ici, dès que vous êtes là, vous allez ici entrer, et là vous allez voir que quand vous aurez les 5 petits boutons activés, vous aurez une petite trappe ouverte. Vous rentrez dans la trappe, normalement il y a un petit coffre là, vous le prenez, donne 2000 euros. Ensuite vous allez aller sur la torche comme ça, vous la prenez. Pour moi, ça fait pas bien évidemment, puisque j'ai déjà débloqué le passage. Ensuite, dès que vous l'avez pris, vous allez vous diriger vers l'île du désert qui se trouve vers un petit peu là-bas. Donc on se retrouve ben là-bas, tout simplement. On se retrouve là-bas. Il y a toujours quelqu'un qui a pris mon bateau, mais c'est pas grave. Moi, j'ai le fruit du boudin en V2. Et pour ceux qui veulent savoir une petite information, il n'y a que les bouddhas V2 qui peuvent aller sur l'eau, pas les bouddhas V1 puisqu'ils sont trop petits. Alors, on va aller à l'île du désert là-bas. Voilà. Paf. Paf, 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 paf. Voilà. Dès que vous êtes arrivé ici, tout simplement, vous allez suivre mon chemin. Ta-ta-ta, vous marchez. Et vous arrivez devant une petite maison, comme ça. Normal. Vous allez rentrer dans cette petite maison. Voilà, vous rentrez. Et ils vont vous saluer. Enfin, les personnes qui ont écrit. Bon. Ensuite, vous allez rentrer. Là, vous prenez la torche, vous mettez dessus. Ça va faire brûler un truc. Ensuite, vous pouvez rentrer et prendre le petit verre là. Et là, on va se diriger vers l'île de la glace. L'île du Yeti, où il se trouve le boss Yeti. Donc, on se retrouve là-bas. On y va maintenant.
Voilà. Du coup, vous allez aller là-bas. Paf, paf, paf. Tirer. Voilà. Et normalement, voilà, elle est là-bas. Elle est juste là-bas, donc on va aller vite, vite, vite. Alors, du coup, dès que vous êtes là-bas, bah, attendez, je vais vous dire. Du coup, ce que je disais, c'est que quand vous êtes arrivé ici, vous allez prendre votre petit gobelet et vous allez le récupérer là où ça coule. Là où ça coule, vous prenez, dès que vous voyez qu'il est rempli, ben tout simplement, vous allez en haut. Et vous allez prendre votre coupe et vous le donnez à ce SDF. Vous le donnez. Là, ils vont. Là, il veut, et là, il va vous dire de aller rencontrer son fils qui se trouve à l'île des pirates. Donc là, on va aller se téléporter à la toute première île. Et vous allez me suivre. Vous allez tout simplement suivre mon chemin. L'île de, où se trouvent les pirates est tout simplement... là-bas à côté de l'île du milieu, de l'île du milieu. Du coup, on va y aller et je vous dirai ce qu'il faut faire. Bon, bien sûr, c'est très très simple. Là, vous avez fait un truc, vous l'avez donné de l'eau à votre petite. À son fils, vous allez parler à ce petit bonhomme qui s'appelle Richman. Dès que vous l'avez parlé, il va. Bon, moi, il me donne la relique. Bon, qui va me servir à peu à rien, vu que, ben. Bah, tout simplement, j'ai déjà débloqué le passage. Et il voudra. Bon, moi, il ne m'a pas demandé. Mais bien sûr, vous, il va vous demander de battre un petit boss. Qui se trouve ben, tout simplement juste à côté, qui n'est pas très loin, qui se trouve juste là-bas. Voici, on va y aller et je vais vous montrer par vos arnaques. Alors, vous allez battre ce boss-là qui s'appelle. Mob leader, ben, en fait, c'est le clan, c'est un méchant qui a volé de l'argent à ce petit, à Monsieur Richman, et du coup, vous devez le tuer. Moi, je le tue en un coup, donc, bah. Là, du coup, dès que vous l'avez tué, vous allez retourner, ben, tout simplement à l'île du pirate. Vous allez y retourner dès que vous l'avez tué. Et dès que vous l'avez tué, vous allez reparler à Monsieur Richman, ben, qui vous donnera tout simplement la relique que j'ai dans les mains. Du coup, ensuite vous allez, du coup après vous allez vous téléporter à l'île des singes pour ceux qui ont le spawn là-bas. Vous allez vous téléporter. Ceux qui n'ont pas, ben, vous vous dirigez vers l'île. Voilà. Vous allez vous diriger vers la petite île qui fait plaisir. Alors, faut savoir que pour les débutants, c'est mieux de débuter là-bas. Hein. Donc, voilà. Alors, du coup, là, dès que vous arrivez, les gens, vous prenez votre petite relique.
Là, vous allez voir un petit symbole de bah, tout simplement de la relique. Cette relique, vous allez la placer qui va ouvrir un petit passage. Et vous allez battre un boss qui va vous drop cette épée. Il va vous donner ça. Chenin. Et du coup, bah, ce sera tout pour le tuto. Et puis voilà.